Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se trouve sur la suite du Let's Play de Rayman Legends. Et on avait commencé du coup le monde 20 000 Looms sous les mers. Je me tais et on s'empresse d'y aller, c'est parti! Donc, c'est normal là, si vous m'entendez moins fort, c'est que quand je démarre la caméra. Non, pas deux fois! Oui, j'ai eu. Ok, petit easter egg normalement. Ouais, c'est ça. C'est parti, on y va. Attends, je baisse un peu le son. Ouais. Thank you.
Ouais. Alors là, j'ai pas beaucoup parlé, j'étais super concentré, je suis désolé. Mais c'est un niveau solo, et le niveau solo, c'est extrêmement compliqué. J'arrive même plus à parler tellement le jeu est fort. Bon, je baisse un peu le son quand même. Il faudrait que je parle quand même un petit peu. Bon, au prochain niveau, je parle, désolé. Bon. C'était le niveau avec deux squelettes, ça va. Très bien. Donc, dangereuse lumière. C'est parti. J'adore les niveaux comme ça. Je kiffe. On dirait un agent secret. Murphy! Ça fait longtemps. Oh non, les débiles! Oh la mort nulle! Oh mais deux fois! Non. C'est quoi ce nul? Attends. Bien caché celui-là. J'ai failli pas y aller. J'ai vu, attendez, les gars, c'est trop, non, c'est trop, non, attends, c'est pas possible. Là-bas, là, vous voyez pas en haut là? Ah, puis juste.
doutais, j'étais sûr, putain. C'est tellement bien caché. Mais non! Oh le débile! Mais non, mais... Alors là, les gars, on a enlevé les grands moyens. Là, je suis énervé, ils m'ont énervé. Là. Alors là, ils me cherchaient, pas de problème. Voilà, ils vont faire quoi maintenant? Et boum! Alors, enfin un cœur, c'est pas trop tôt. Oh, idiot! Non! Oh là là, mais je suis nul. Oui! Ah, oh, j'ai peur, je croyais que c'était... Oh là là! Yes! Allez, les gars! Et en plus, j'ai plus de 600 en loose. C'est bien ça. Bon. Ça commence à devenir de plus en plus dur au bout d'un moment. Et j'ai vraiment trop hâte de commencer le Olympus Maximus, mais vraiment trop hâte, punaise. Ah, une princesse, ça fait plaisir. On va aller voir la petite princesse du nom de Ursula. Allons voir Ursula. Alors, oh, c'est un mojo. Un dojo, pardon. Le dojo du ninja. Ok. Oh, en plus, j'ai... Ok, c'est alors sauve les amis qui avant la fin du chrono. Tu... Ok, c'est parti. Ça, je l'ai déjà fait en défi, donc je vois à peu près ce que ça ressemble. Oh là là, je suis nul. Non. Ok, c'est bon.
j'ai eu peur. Wow. C'est tellement stressant parce que quand je vois le temps qui passe. Parce que si c'est aussi dur celui-là, bah j'imagine pas la deuxième princesse. Voilà, ça c'était pas si dur que ça, mais la deuxième princesse elle risque d'être très dure. Bon, Ursula, voyons voir à quoi tu ressembles. C'est parti. Attention, Ursula. Oh, classe, cheveux blancs. Depuis son plus jeune âge, cette princesse a été entraînée à devenir la meilleure espionne du monde. Gadgets et missions secrètes sont tout simplement son lot quotidien. Et bah, vous savez quoi? Incroyable que maintenant tu peux juste dire non merci. Je vais garder Ursula pour cet épisode. Et je vais la prendre pour le prochain épisode, à moins qu'on ait pris la princesse avant. Alors, les appartements sous-marins. Ursula, tu vas nous montrer ce que tu veux. C'est parti. Oh, elle est classe. En gros, elle est vraiment classe. Bon, je pense... Alors, je connais à peu près ce niveau. Je sais qu'il est long. Donc, je pense que ça va peut-être être le dernier niveau. On verra. Bon, on va dire à gauche d'abord, allez. On verra à droite plus tard. D'accord, et toutes les zones électrifiées, on va pouvoir y avoir accès, c'est ça? Je pense que c'est ça, attends. Oh la chance! Ah, vite, vite! Et toi? Voilà, j'étais sûr! Je m'en doutais. Bon, y'a rien. Et ben on se barre. Ah. Oh, je l'ai pas vu lui. Non. Oh, je croyais que c'était le vide. Oh, j'ai eu trop peur. Oh, c'est un roi. Oh non. Je croyais vraiment que c'était le vide. J'ai vraiment de la chance. Alors par contre lui là en haut là il va tout de suite se calmer. Il n'y a rien en haut. Voilà. Ah d'accord. Et là on fait à droite. D'accord. Donc en fait faut couper le courant des deux côtés je pense. D'accord, j'ai compris le principe. Bon. Ouais, voilà, c'est ça.
qui n'ont plus qu'un petit être. Oh la chance! Et c'est parti, on y va! Oh, un petit laser! Oh, wow! Oh, j'adore la musique! Génial. Bon bah voilà. Il nous reste 7 minutes. Ouais, on va peut-être... On va voir ce qu'on va faire. Génial. Il nous reste environ 7 minutes. On va voir. On va voir ce qu'on va faire. Ok, bon. Sachant que lui était 3 étoiles et l'autre à côté de 4 étoiles, je pense pas qu'on va commencer l'autre. Vous savez quoi? Bon, pour finir cet épisode, on va déjà gratter les 4 tickets surprises. Ah bon, ça c'est pas important. On va s'arrêter pour aujourd'hui, je pense. Ah, un petit geste sur piège. Voilà, je m'en doutais. Du coup, on va pouvoir sauver la princesse. Et ben, on va sauver la princesse et après on arrête l'épisode. On va sauver Emma, c'est parti. Il manquait juste un petit Z du coup. Alors, le dojo du maître Shaolin. Shaolin, j'espère que tu n'es pas trop dur. On jouait des pics, donc déjà j'ai peur. Ok, ok, c'est la même chose. C'est parti, on y va. Allez, je me concentre. Non. Mais d'où? Alors toi t'es mort. Mais non! Alors toi... Ah j'ai perdu. J'ai perdu je pense. Ah j'ai perdu. Ah j'ai perdu. J'aurai jamais le temps. Ah punaise, je fais des bêtises. Mais non. Ah j'ai perdu. Oh non. Il était juste là? Oh là 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 là! Et moi qui disais que j'ai perdu! Oh là là! Et bien les amis, c'est en sauvant Emma que on va voir son apparence physique que nous allons nous arrêter là.
On continuera du coup pour le prochain épisode. D'abord, on va voir déjà à quoi ressemble la fameuse Emma. Emma, dis-moi que tu es classe, parce que si tu es plus classe que Ursula, je te prendrai au prochain épisode. Attention. Alors là, officiel, je la prends au prochain épisode. Alors là, la petite sœur d'Ursula est aussi une espèce leur père, c'est plutôt une habituée des missions secrètes sous les tropiques au beau milieu de l'océan. Voilà qui explique sa tenue colorée. Et bah, je vous jure que je la prends au prochain épisode. J'adore. Le costume doré est super classe. Merci d'avoir suivi ce Let's Play. Je vous dis à plus tout le monde.